Dieu, il réveille en moins de 2 secondes. Avec une sensation d'eau très froide qui se répand sur ma poitrine par différentes ondes. Comme quelqu'un qui se noie, je suis fort. Je cherche mon souffle, je souffre. Quand j'ouvre mes yeux, je vois cet homme debout, mon tuteur, avec une bouteille d'eau vide à la main qui me dit avec le sourire. Je te refroidis maintenant que je te réchauffe. Sans suite des coups que ni mes cris, mes larmes n'arrêtent, n'estompe ni le stop. Il fallait juste que je sois debout avant 5h du mat pour être sain et sauf. Mais mon horloge mentale n'a pas dû bien fonctionner, alors à qui la faute? J'ai 13 ans et chaque matin je fais la même prière. Seigneur, fais que je ne sois pas battu aujourd'hui. Car pour revenir le bas, sans débat, du début de la journée, ça fait de bout en bout. J'ai beau essayer d'être bien, je suis bien sans avocat, donc jamais d'alibi. Quand quelque chose se gâte, toutes les lois vous prennent en cœur. C'est lui, c'est lui. Tous les toits me pointent du doigt. C'est lui, c'est lui. L'autre a dit que l'enfant est le père de l'homme. Souvent je me demande si la violence qu'on inflige à l'enfant que je suis ne ferait-elle pas de moi un père violent. Quand je me perds dans la pensée de philosophe précoce, je m'amène à la réalité par une paire d'Égypte violente. Parfois, pour avoir un peu de paix, je crains pour le côté de la cour qui supporte le cimetière. Et là au sommet, je me sens bien, loin de tous ces vivants qui m'empêchent de vivre bien. En espérant qu'une mère décide de me sauver incessamment. Mais chaque famille n'a pas son place en moi.